C'est l'histoire d'un bonhomme qui ne pouvait pas s'empêcher de malaxer ce qu'il avait entre les mains. Dans la maison du petit Florentin, l'eau a comme un léger goût d'argile. Les verres sont en terre, les tasses modelées, on a l'impression de voir partout les empreintes d'un potier. Le petit Fouch vit à Moustier. C'est le règne de la terre. Florentin modèle en argile son imaginaire. L'enfance passe. Adolescent, Florentin en a eu assez de la terre. Il a décidé d'être tailleur de pierre. Dans la maison du jeune Florentin, on trouve ici et là des petits cailloux, des tas de petits cailloux. Des doux, des plats, des ciselés. Ce n'est pas moi, c'est la nature qui a fait ça. C'est le règne des pierres. Florentin cogne, sculpte, lime. L'adolescence passe. Un jour, surgit chez lui un petit piano électrique. Toute la maison se remplit alors de musique. Oh, le flow de Florentin! Les murs tanguent, les poteries pulsent. Le nouveau matériau de Florentin, eh bien, ce sont les mots, leur sens, leur son, leur dessin, leur diction. En vérité, Florentin n'a jamais cessé de bâtir, sculpter, ciseler. Mais il le fait aujourd'hui sur du papier, avec de l'encre, des notes et des mots. Quoi de plus volatile et volage? Quoi de plus aérien? Voici venir le règne des chansons. Ainsi se poursuit l'histoire de ce bonhomme qui ne pouvait pas s'empêcher de malaxer ce qu'il avait entre les mains et entre les oreilles. Florentin Fouch, tes chansons mettent à l'honneur le jeu, l'insolite, la poésie. Et comme les mots ne se chantent pas seulement, tu ne te déplaces jamais sans ton carnet. Tu nous en ouvres les pages sur Instagram et sur ton site. Tu les appelles « Histoire de Fouch ». Encore un joli jeu de mots. Alors, chers auditeurs, entrez dans la danse. Voyez comme il danse. Voici des noms, voici des lettres, des mots sur du papier, des mots en musique et des mots en bouche. Mesdames, messieurs, vous connaissez la chanson? Eh bien, embrassez qui vous voudrez. La flamme qui réchauffe mon âme quand brûle des froids, mes embûches et mes drames. Ce portrait est un extrait de l'émission L'Imaginarium diffusée sur Radioactive. Je sais pas vous, mais moi, j'ai juste une envie, c'est d'aller voir le dernier post de Florentin Fouch sur Instagram. Retrouvez-le sur les réseaux ou sur son site et puis surtout sur les concerts. En fait, j'ai eu un tel coup de cœur pour les chansons de Florentin que j'ai décidé de lui consacrer une émission entière. Et c'est en cliquant sur la vignette qui s'affiche à l'écran que vous allez pouvoir écouter l'émission en entier qui s'intitule « Les marges de la littérature ». Si vous voulez en savoir plus sur Florentin, savoir ce qui le fait rêver, savoir ce qui l'inspire, savoir ce que ses amis pensent de lui, eh bien venez écouter notre émission « Des marges de la littérature ». Moi, j'ai demandé aux cigales d'arrêter de chanter, mais franchement, c'est impossible. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, venez sur notre chaîne « Tout avec presque rien ». Abonnez-vous, des j'aime, des commentaires, des petits coucou, même en message. Ce sera un vrai plaisir pour nous. Merci et à vite.